C'est Noël! Ce mercredi 20 décembre, les lutins et les elfes ont envahi le dojo du judo Rankin Game à l'occasion de l'arbre de Noël. Pour fêter l'événement, Justine Kerink nous a élaboré un programme majestueux. On a commencé par créer le jeu de loi, donc j'ai créé le plateau de A à Z en inventant toutes les cases du plateau. Donc il y avait 63 cases à créer. Ensuite je suis venue créer, puisque la case 63 était une case surprise, qui était un atelier création. Donc j'ai préparé l'atelier création en prenant en amont des photos des enfants, puis les découper. J'ai ensuite préparé toute l'activité, donc ça m'a pris une semaine pour juste préparer l'activité manuelle. Chaque case, il y avait des, donc c'était toutes des cases judo, par exemple roulade avant, chute avant. Il y avait des cases obligatoires, donc par dizaines. Donc la case 10, c'était un quiz judo, donc avec des questions sur le judo. Ensuite, on avait le rangement des ceintures par couleur. Il y avait un atelier où ils devaient faire un sapin avec leur corps. Ensuite, on avait la danse de Pongal Pingouin Judoka. Et on avait aussi un atelier où il fallait savoir, replier le kimono. On a mélangé les équipes avec tous les âges. Donc il y avait des grands mélangés avec des petits. Bah, les enfants se sont entraidés. Il y avait des équipes un peu plus dynamiques que d'autres. Des équipes où c'était plus complexe. Et d'autres pour qui c'était très facile. Ensuite, on a élaboré le goûter et ensuite, on aura l'arrivée du Père Noël. Quel jeu incroyable! Bravo à notre jeu d'amour qui a encore une fois bien assuré. Les enfants ont adoré. Maintenant, ils sont prêts à accueillir le Père Noël. Dans un délire fou, sous le son du moment, la cheche. Une association de judo extérieur au judo Rankin Game et vous avez trouvé l'animation intéressante? N'hésitez pas à contacter Justine Kerink, elle se fera un plaisir de vous animer directement dans votre dojo. Donc le jeu est modulable pour tous les événements, notamment les anniversaires de clubs ou autres. Vous pouvez me contacter si besoin, si vous voulez que cet événement se fasse chez vous, sur mon Messenger par exemple, Justine Kerink. Merci.